Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais la faire rapide, pas le temps pour les bavardages, on va dérouler car on s'envoie une recette d'une simplicité et d'une rapidité légendaire. C'est une recette que j'adore faire, on a besoin que de très peu d'ingrédients, ils sont pas chers, super simple à trouver, c'est une recette qui sent bon le soleil et je pense que c'est prêt en 30 minutes max. Bref, le plat de la flemme par excellence, on adore. Et oui, vous avez peut-être déjà vu passer ce plat emblématique d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la shakshuka, ou la tchèkchouka, chouchouka, chukaka, chouchouka, chakaka. Enfin bref, il existe autant de versions que de pays et de familles qui réalisent cette recette. Aujourd'hui, on va faire la version que je réalise tous les étés. Tomates, poivrons, oignons, piments, des œufs, de la feta, quelques épices et des herbes fraîches. Ah bah oui, je vous ai pas menti quand je disais que c'était des produits simples. Et pour couronner le tout, pas besoin de faire beaucoup de vaisselle, on va tout cuisiner dans la même poêle. Voilà, je crois que tout est dit, c'est génial, qu'on ait la flemme ou pas, ça part sur une shakshuka. Vous commencez à me connaître, on va d'abord préparer tous nos ingrédients. Et oui, une fois tous les ingrédients découpés et préparés, c'est beaucoup plus simple à cuisiner. Pour l'oignon jaune, on va le ciseler finement car je préfère le rendu en bouche, mais vous pouvez aussi l'émincer, ça fonctionnera très bien. On met de côté et on passe au poivron. C'est la période donc j'en mets une tonne, mais vous pouvez ajuster en fonction de vos goûts et de leur disponibilité. Pour la préparation, c'est très simple. On retire les extrémités, les membranes blanches et les pépins. Ce sera plus simple pour le découper en bandes, puis en petits cubes. Évidemment, on n'oublie pas le chapeau et le petit cucu, puis on met de côté. Comme je suis un petit fou, j'ai ajouté quelques lamelles de poivrons longs. C'est toujours bon pour le goût, la couleur et la texture. On peut le mettre de côté avec les poivrons. Et pour le piment, c'est facultatif, mais si vous voulez que ça danse un peu, je vous le conseille. Pour la découpe en lamelles ou en petits cubes, faites comme vous le sentez. Et si vous n'en trouvez pas du frais, en flocons, ce sera très bien. Et on continue avec l'ail. Et alors là, comme toujours, faites comme vous le sentez, mais on va en mettre une bonne quantité. Et oui, c'est une strate de saveur super importante dans notre shakshuka. Petit rappel, tous les ingrédients et les mesures sont listés sous la vidéo dans la description. Alors là, vous allez peut-être pas me croire, mais c'est déjà l'heure de partir en cuisson. Munissez-vous d'une poêle assez grande pour accueillir notre shakshuka. On allume le feu et quand la poêle est bien chaude, on ajoute l'huile d'olive. Soyez généreux, c'est important. On verse dans la poêle les oignons et l'ail. Et à partir de maintenant, tout est un jeu de patience et d'attention. On veut que nos oignons soient translucides, qu'ils aient bien sué, mais on ne veut pas de coloration. Au bout de quelques minutes, quand nos oignons ont la bonne texture, on peut les regrouper d'un côté de la poêle, ajouter un petit filet d'huile d'olive et disposer nos poivrons et le piment. Évidemment, on n'oublie pas les petits bouts qui veulent se faire la malle et on mélange tout ce petit monde afin de bien répartir les poivrons avec les oignons. L'objectif de cette deuxième partie de cuisson est d'attendrir les poivrons. Comme pour les oignons, on va aller chercher une texture fondante, mais pas de coloration. Je vous conseille pour ça de rester à feu moyen et surtout de rester à côté de votre poêle. En mélangeant constamment, vous aurez une cuisson homogène et c'est ce qu'on veut. Si vous êtes chaud, vous pouvez vous entraîner au coup de poignet. Et ouais, c'est toujours très efficace et très classe. Quand nos poivrons ont la bonne texture, on peut enchaîner avec les épices. Aujourd'hui, j'ai choisi de l'origan séché, du cumin moulu, oh tiens, un peu de piment d'Espelette et du poivre noir du moulin. Pour garantir une saveur de tomate profonde, j'ajoute une généreuse cuillère de concentré. Ça va nous donner un puissant goût de tomate et beaucoup de rondeur à ce plat. Sachant qu'on a déjà pas mal d'ingrédients qui apportent de l'acidité, ça ne peut faire que du bien. Comme pour le reste, on mélange pour bien l'incorporer à la préparation. Et c'est l'heure d'ajouter les tomates. Si vous en avez des fraîches sous la main, faites-vous plaisir. Mais si ce n'est pas la saison, des bocaux feront parfaitement l'affaire. Si elles sont encore entières, n'hésitez pas à les écraser. Ce sera beaucoup plus simple. En revanche, évitez d'en mettre partout comme moi, s'il vous plaît. On n'oublie surtout pas le coulis. Pour cette étape de cuisson, l'idée va être de faire réduire la préparation, c'est-à-dire faire évaporer le liquide pour concentrer les goûts et avoir une texture super cool. Plus vous allez mélanger, plus vous allez comprendre que la consistance évolue. Ne bougez pas, on se rapproche de la fin. Pour saler la préparation, on va y ajouter de la feta émiettée. Ça va jouer sur l'assaisonnement, la couleur et la texture. Et surtout, n'ajoutez pas tout le bloc, on doit en garder pour la fin. Au bout d'une minute ou deux, quand la feta a bien fondu, on va pouvoir former des petits puits avec notre cuillère pour y accueillir nos jolis œufs. Appliquez-vous bien sur vos petits nids, ça va beaucoup jouer sur le rendu physique final. Et sur la cuisson du blanc surtout. Si l'œuf reste trop en surface, il mettra trop longtemps à cuire et ce sera pas bon.
Et d'ailleurs, pendant cette dernière étape de cuisson, on va pouvoir ciseler des herbes fraîches. Amusez-vous avec ce que vous aimez. De mon côté, j'ai utilisé des oignons jeunes, de la nette fraîche, et parce que j'adore ça, un peu de coriandre. Mais ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc si vous avez du persil, de la ciboulette, du basilic, c'est très bien également. On mélange un petit coup. J'avais cette petite focaccia sous la main, donc je m'en suis coupé deux jolies petites tranches. Ça va super bien se marier avec notre shakshuka. Les blancs d'œufs sont quasi cuits et les jaunes encore coulants. On peut ajouter de la feta. Et quand les œufs sont cuits à votre goût, eh bien on va pouvoir passer au dressage final. Ce que j'aime bien avec ce plat, c'est que ça peut être un super petit déj pour un brunch, un déjeuner ou un dîner. C'est super beau, original, délicieux et surtout c'est très addictif. Bon, revenons-en au dressage. On fait attention de ne pas casser l'œuf. On l'entoure avec un peu de préparation tomatée. Pour les petits gourmands, un peu de pain toasté. Un petit filet d'huile d'olive, fleur de sel et poivre sur l'œuf. J'adore rajouter un peu de zeste de citron pour la fraîcheur. Et voici l'heure de la touche finale, les herbes fraîches. Mettez-les au dernier moment, sinon elles vont un peu fatiguer. Le jaune est parfaitement cuit. On utilise notre toast comme cuillère. Et on se régale. Oh là là, au regret de me répéter, mais je trouve ça génial de pouvoir faire un plat aussi beau et goûteux, sans être coûteux et en aussi peu de temps. J'espère que cette recette vous aura plu. C'est une vidéo plus simple que d'habitude, mais si ça vous branche qu'on fasse plus de plats de la flemme comme ça sur YouTube, faites-le nous savoir dans les commentaires. Je vous promets que j'ai plein d'idées dans ma besace. Pensez à partager cette recette avec les gens avec qui vous voulez la déguster. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. On arrive avec du lourd. Et surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je les lis tous et je réponds à un maximum d'entre vous. À très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Hugues. Bon appétit, ciao.